Ah, un peu de calme. Vous aussi, vous préférez éviter de rouler sur une autoroute urbaine? Avec les travaux, la Porte Maillot et l'avenue de Neuilly sont des lieux inhospitaliers. D'autant plus que la voie cyclable longeant l'avenue de Neuilly, qui était bien pratique, a été récemment neutralisée. Quand on vient du sud ou de l'ouest de Paris, il est possible d'emprunter les Maréchaux et le Bois de Boulogne, comme évoqué dans ma vidéo sur le sujet. Mais cette solution peut ne pas convenir à tout le monde, surtout pour les personnes venant d'ailleurs. Heureusement, il existe un autre itinéraire pour rejoindre la Défense en contournant quelque peu la Porte Maillot et l'avenue de Neuilly. En plus, il possède des aménagements cyclables pratiquement tout du long. Je vous présente l'avenue du Roule, où il fait bon rouler. Concrètement, il faut rejoindre la Porte Maillot et la contourner par le nord en empruntant le boulevard Gouvion-Saint-Cyr. Mais le mieux, c'est que je vous montre. C'est par ici? La couleur de l'enrobé ici semble indiquer que c'est un aménagement cyclable, au vu de la couleur des nouvelles pistes qui apparaissent ici et là à Porte Maillot, même si pour le moment il n'y a pas encore de marquage au sol. La couleur des pavés ici m'a fait penser qu'il s'agissait peut-être d'une piste cyclable, mais finalement, cela ne semble pas être le cas. Et il n'y a pas vraiment grand intérêt à passer par ici.
La Défense, c'est tout droit. Voyons maintenant le trajet inverse. Rejoignons notre point de départ à partir d'ici.